me stupid, gets me drunk. I'll do anything that you want, anything that you want. Eno et moi. Eno. Emma, elle est là. Elena, elle est là-bas. Et Argan, elle est là-bas. On est devant la chambre d'hôtel et en gros on peut prendre la chambre qu'à 15h. Sauf que là il est 13h30. Du coup on est un peu d'avance, sauf qu'on a tellement de valises qu'on s'est dit genre si on peut pas avoir la chambre, est-ce qu'on peut au moins laisser les bagages? Sauf qu'il parle pas anglais. La dame ça va, on la comprend, genre elle dit des mots mais genre on comprend tout. Du coup bah là on est en train de voir avec une dame parce que j'ai appelé le proprio et tout en mode yes, hello et tout. C'était trop, entre chaque mot anglais qu'il lâchait, il était là. On l'entendait soupirer genre entre chaque mot. Voilà, du coup bah là on attend. Et j'ai oublié mon sac dans le train. Mais on est en Corée. J'ai envie de pleurer un peu mais je me dis on est en Corée donc normalement il va pas te voler. Déjà en temps personne te le vendra, donc là c'est quelqu'un que tu l'as oublié. Genre, c'est juste ce qui me fait chier, c'est que bah va falloir qu'on aille le chercher, je sais pas où. Donc voilà, donc là on attend la petite dame. Elle a parlé coréen, on a tout compris. C'est Sege. Elle est en train de faire la discute au fils, quand les portes sont fermées, on l'a entendu parler coréen, on s'est dit RIP. Sauf que là on rigole, mais on va être toutes les deux dans la. Oui, c'est vrai, on a oublié ça. C'est qui me soyez fiers de nous, on a compris. Ok, du coup c'est bon, on a posé les valises. Pourquoi t'es toujours avec moi toi? C'est vrai. Et du coup là on a essayé, on est en train de marcher depuis 10 minutes, 20 minutes. Vraiment, tout le monde nous regarde genre en France. Ok, du coup on tente ce resto. Ou le swag. On a tiré au sort les gens. On a eu ça. Il vient nous donner ça. Je vais faire un petit room tour. Du coup, on commence par un petit sas. Là, faut mettre des chaussures parce qu'il faut surtout pas rentrer dans les chambres avec les chaussures. Ensuite, on a une salle de bain avec un super tournesol. On a toujours l'histoire de la douche intégrée aux toilettes. Et après, on a la chambre. En vrai, elle est bien. Genre, elle est très bien. Tac, lit de place pour moi toute seule. Et ça, je sais pas à quoi ça sert parce qu'on a une télé et un ordi. Ça, c'est pareil, il faut que je traduise parce que. Moi je sais pas trop ce que ça veut dire, donc faut que je traduise. Et genre, on a tout plein de trucs, genre de la laque. Voili, voilou. J'ai appelé le KTX. Du coup, j'ai dit ce que j'avais perdu, où, quand, quoi, pourquoi, comment, genre. Et puis, bah, on verra. Écoutez, je viens d'ouvrir ce qu'il y avait dedans. Donc, deux petits masques, un dentifrice. On a plein d'autres petits échantillons. Lady 7 for Lady. Foam cleanser. Ça, c'est quoi? Ah, du. Bon, t'as capté. Un shaving gel for men. Et un all-in-one essence for men. Une petite capote. Mais t'as vu, on s'est mis en pyjama avec Elena. Oui. Et moi j'ai pas de pyjama du coup. Dans mon sac. 50. Avec moi dans ma chute. Non. Ma mère, elle te fait de l'acupuncture en fait. You wish. Il est actuellement 10h et là du coup on va commencer chacune à se préparer parce que il y a la responsable des élèves internationaux qui vient nous chercher en voiture et elle arrive à 11h donc on va commencer à se préparer doucement. Hey, 아까부터 널 봤어.
Let's go. Je vous fais direct un petit room tour. Là on met nos petites cartes pour activer l'électricité. Donc on a des petits placards comme ça où on a mis tout ce qui est chaussures, médicaments, tout ça, tout ça. Ensuite on a une salle de bain. En fait elle est assez petite, mais au moins on a une douche fermée, ce qui est assez rare en Corée. Voilà. Ensuite on a un petit salon comme ça avec un bureau. Et à côté, on a une chambre. On a une chambre avec deux lits comme ça, donc c'est assez sympa. Et des placards qui sont rangés. Wow. Du coup on a mangé avec Johan et tout, trop bon. On s'est promené un petit peu, après on a été au Hardbox. On a fait des petites photos et là on va se balader un petit peu dans Wonju. Dans un centre-ville qui est incroyable par rapport. On est trop contents. Parce qu'on a été demain, on a toujours pas d'infos sur les cours. Donc ça se trouve on commence à 8h30, on en a aucune idée. Bon là il est midi. On a été réveillé à 11h30 par une petite dame qui parlait dans les haut-parleurs. J'ai pas compris ce qu'elle disait, le seul mot qu'on a capté c'est elevator. Ensuite on a eu des infos qu'on voulait pas avoir. On a appris que normalement notre chambre elle est à 950 000 won. Donc ça fait à peu près 600 balles pour les 4 mois. On vient d'apprendre que c'est plus à 950 000 won 1 750 000 won. Genre ils ont oublié de mentionner 1 million de won. Bizarre. Ils nous disent vous pouvez aller dans d'autres dortoirs qui sont à côté et tout, mais qui sont beaucoup moins bien, genre qui sont nuls à chier. Anne-Claire elle est ici depuis genre 3 jours, un truc comme ça. Et bizarrement ils ont appris les prix que depuis qu'on est arrivé quoi. Ils ont appris les prix aujourd'hui. Appris. Oui. Mec, là je l'ai là. Vraiment comment ça vous savez pas les prix de vos propres chambres? Point numéro 2, on a appris qu'on commençait les cours le 18 mars. Je rappelle qu'on est le 4 mars. On a 2 fucking semaines à ne rien faire. Donc voilà, c'est un peu l'update de la matinée. On a fait une réunion de crise et ça semble plutôt bien, on verra, ça semble plutôt bien. Et là on est tout en train d'appeler nos darons pour les tenir au courant et on va peut-être pouvoir garder nos chambres. Il est 18h40, on a déjà fini de manger. Oui. Et là on se split en deux groupes, en gros moi, Argan et Lena, on va aller au bar avec Yechan, Ajang et Anne-Claire. Emma et nous restent faire une petite pause et voilà, et du coup nous là on y va.
Il est 8h50. On vient de se lever pour aller à notre premier cours de coréen qui est à 9h20. Parce que vu qu'on doit traverser toute l'université, bah, il faut se lever tôt. Voilà. Enfin, il y en a qui réussissent à se lever tôt. Il y en a une qui est morte apparemment. Elena est morte. La gueule décorée. C'était un cours de 20 minutes. C'était un cours inutile. C'était intense. On va commencer le cours à 9h20. Et à 9h50, la prof a fait. Tu fais Caillot ? Oh bah ok. Du coup, on a fini les cours à 9h50. Alors qu'ils devaient durer jusqu'à midi 10. Bon, ça va. Du coup, cet après-midi, on a travaillé, on a super bien travaillé, on a travaillé 3h, 3h10, quelque chose comme ça. Et là, il est 19h30 et on repart de notre dortoir pour aller manger. Maintenant, on mange vraiment aux heures coréennes. 19h30, frère, avant, j'aurais jamais mangé. Là, ça y est, j'ai faim. On s'est toutes levées à des heures différentes et là on va aller manger aux rues de l'université. Cet après-midi, on sait toujours pas ce qu'on va faire. On sait qu'il faut qu'on fasse des photos d'identité pour notre carte d'immigré et le reste, ben, ça va être impro. Peut-être qu'on va essayer de planifier notre voyage à Busan la semaine prochaine. Non, il pleut. Tu te fous de ma gueule? Non. Du café et là on va aller faire une machine à laver. Ce qu'on a appris qu'en gros il faut avoir une application, il faut la recharger. Bon, on va essayer, on va y arriver, moi j'y crois. Il est 21h et là du coup on quitte la chambre pour aller manger. You ain't nothing but a troublemaker girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? I keep saying run as fast as. C'est horrible. Ah oui, et du coup, on a enfin le fin mot de l'histoire. On peut garder nos chambres. Ouais, on a pas besoin d'aller dans le dortoir des gars. Yes. Ils ont réussi à faire diminuer le prix de façon à ce qu'on ait la chambre à 200€ par mois, je crois. Donc ça, c'est cool. Il est 18h43. Les places sont vendues à 20h.
Je suis déjà là. J'ai trop peur. Je suis tombée. Non. Hein? Oh là, les Nora. Il est 52. Et voilà les écrans actuellement. C'est vrai, je ne sais pas actualiser, je préfère pas les toucher. Mais, tu peux même pas aller sur le global. Moi, sur mon télé, sur mon ordi, ça a marché actualisation. D'accord, on s'en fout, même s'il y a pas on prend juste une touche. Les gars, regardez la tête. Déjà, on est dans la queue, déjà. Ouais, il est 21h10 et j'ai toujours pas de place. Tu sais, ça se trouve, on va arriver. Oh, on a 5 places et tout. Je prends le non, tiens, en fait, faut qu'on fasse un pic. Là, 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 regardez pas, en fait. Les gars, en gros, on cherche partout un réparateur de téléphone avec Emma. Il a pris la buée. Bref, et du coup, on rentre dans un caté, on se dit, on sait jamais. On va demander, on sait jamais. Et on arrive, il nous dit, non, je répare pas vraiment. On dit, est-ce que vous réparez le téléphone? Il a fait, ah non, 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 non. Et là, il fait, ah tiens, comment? iPhone, iPhone. Mais iPhone. Ah, et du coup, il commence à taper sur son ordinateur. Il nous a imprimé ça, les gars. Il est trop mignon. Il est trop mignon, il nous a imprimé une petite carte et tout. Adorable, vraiment. Et en plus, et heureusement, heureusement qu'il nous a donné ça parce que. Moi sur ma map, j'avais pas ça. Ah ouais? Bon, on me voit bien, en tout cas c'est bien. Il est 20h ouais. Et on va aller boire un petit coup. Il n'y a plus personne dans ce bled. Parce qu'en fait le week-end, les gens doivent rentrer chez eux. Genre il n'y a plus personne dans l'école. Il n'y a que nous, on est là nous. Première en merde, c'est le cas de le dire. En merde. Je peux que dire, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Oui. Les chiottes, ils sont bouchés. On va au Imart, du coup. Moi, je pense qu'il faut aller au Imart. Chiottes, non, je rigole, je vois. Vous êtes pas demandé en mariage. Okay. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Attends, t'as la veste la plus longue, moi, ça. C'est bon, Elena. Ça va, c'est que je suis là. Putain, vous êtes vraiment des bonnes potes quand même. Non. Regarde, c'est pas grave. Ça va, là, ça passe. Fait. Et je le tiens dans ma poche. On a appris qu'on avait un test oral demain. On va prendre un latte et après on va travailler. On n'a pas réussi à avoir une place à la BU. Du coup on va essayer d'aller dans les salles de travail qui sont genre en bas du dortoir. On a fini nos tests et là on va aller chercher notre manuel et après on va aller faire réparer le téléphone d'Emma. Du coup là il est 15h et on va dans le bureau de la madame pour aller au bureau de l'immigration. Voilà, apparemment on a une heure de route, ça me fait chier, vraiment on va passer notre 20 minutes à faire ça. Ça me fait chier, clairement, on va pas se mentir. Bah, elle a l'air un peu cuite, mais elle a l'air dégueu. Elle a du pain. Croissant, non? Tu m'as pas l'air. Revue Jajangmyeon dans le noir, c'était super bon. C'est fucking trop beau. Genre, vraiment, c'est dans mon top 5.